Bonjour les Vierges, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de septembre 2022. Je vous souhaite une bonne rentrée et un bel anniversaire également. Pour les Vierges qui me découvrent, il s'agit d'un tirage mensuel prédictif. Donc j'utilise d'abord un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu quel est l'arcane qui symbolise le mieux ce mois de septembre 2022 pour vous au niveau professionnel. Alors j'ai réalisé des tirages saisonniers. Donc celui de l'été est encore en vigueur, hein, donc n'hésitez pas à aller le consulter dans la playlist. Allez, c'est parti pour les Vierges. Quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui caractérise le mieux la situation professionnelle et l'évolution de ce mois de septembre pour les Vierges? Quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui symbolise le mieux l'évolution pro pour les Vierges? Qu'est-ce qui vient aux Vierges au niveau de la carrière, que vous soyez en emploi ou à la recherche d'un emploi? Voilà, on a la carte de l'empereur. Avec l'empereur, ça veut dire que les choses se mettent en place de manière structurée, de manière organisée. On pose un cadre, on ordonne. Vous voyez, il y a l'idée de concrétiser quelque chose de manière très sécure au niveau matériel, au niveau financier. C'est aussi l'idée de trouver une stabilité, de poser les règles, de voir un peu, d'organiser les choses de manière ordonnée, logique, rationnelle. Voilà, les choses prennent forme, je dirais, et s'ordonnent. Alors, avec l'oracle botanique des divinités d'Iris et Linac, on va voir 5 cartes pour vous sur l'évolution du mois de septembre pour les Vierges. Septembre 2022, quelle évolution au niveau pro pour les Vierges? Quelle est la parole de l'oracle pour les Vierges? Eh bien, on a la carte Renaissance. Donc, il y a un regain d'énergie, de vitalité pour vous. On voit que vous êtes aussi en mesure de vous relancer, de prendre un nouveau départ. La renaissance, c'est la réalisation de soi. Peut-être que vous avez été dans une phase un peu de temps mort, un peu off. Et là, on a l'impression que la succession d'épreuves et des difficultés, c'est derrière vous. Et là, il y a de la nouveauté pour vous. Peut-être parce que vous posez un cadre plus structuré et vous faites les choses de manière plus rigoureuse encore que vous ne le faisiez jusque-là. Allez, pour les Vierges, septembre 2022, qu'est-ce qui vient à vous, les Vierges? Vierge, septembre 2022, au niveau professionnel. Alors, on a la carte voyage, déjà pour débuter ce tirage. Voyage, ça peut nous parler d'un déplacement que vous allez avoir à effectuer, un déplacement pas forcément à l'étranger, hein, simplement quelque chose professionnel qui va vous permettre d'obtenir certainement des informations nouvelles. La carte du voyage, c'est des messages, hein, aussi. Donc, obtenu peut-être lors d'un déplacement, mais un projet peut-être nouveau aussi qui se met en place pour vous. On a une opportunité, donc c'est certainement peut-être ce déplacement qui permettra de saisir une information nouvelle pour saisir une opportunité. Cette opportunité, c'est une occasion, elle est vraiment la bienvenue, une opportunité nouvelle que vous allez devoir saisir. Et il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit et ne pas justement avoir peur d'y aller. Parce qu'avec les ombres intérieures, on dirait qu'on se retient, qu'on freine un petit peu parce qu'on a des craintes, peut-être craintes liées au changement que cette opportunité implique, d'accord? Ombre intérieure, ça peut vouloir dire aussi qu'on explore une voie nouvelle, d'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur d'accueillir la nouveauté, d'ouvrir justement plus grand son esprit, d'accueillir cette nouveauté, mais aussi
Je dirais de mettre en lumière un certain nombre de choses et d'explorer des voies que vous n'aviez pas jusque-là explorées. Donc c'est positif pour vous parce que sur la carte responsabilité qui suit, on voit tout à fait que vous avez les capacités, que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous serez capable d'assumer cette nouveauté, cette nouvelle voie, hein. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire là-dessus. Les capacités, les compétences, vous les avez. Vous avez suffisamment d'épaules, d'envergure, hein, pour réaliser tout cela. Bon, on termine sur la carte illusion, pardon. Avec illusion, vous craignez que ce soit peut-être un piège, qu'il y ait une tromperie, une falsification, ou alors vous ne voulez pas que les choses soient révélées et mises au grand jour. C'est possible aussi. Je tire une carte supplémentaire sur illusion. C'est peut-être pas encore très clair. À la fin du mois de septembre, il y a des choses encore à clarifier pour voyez, mieux cerner cette opportunité nouvelle, cette proposition qui vous est faite, cette information qui vous est donnée. Vous avez besoin de potasser un peu plus. Oui, il y a des peurs. Vous craignez qu'en fait, de ne pas être peut-être à la hauteur ou... ou que ça ne se réalise pas, voyez, c'est presque trop beau pour être vrai, je dirais. Il y a une appréhension, une inquiétude par rapport à cette information nouvelle, cette opportunité à saisir. Bien que ça vous ouvre des voies, ça peut vous inquiéter. Il suffira de mettre de l'ordre dans votre tête avec l'empereur, de voir dans quelle mesure c'est possible. On peut analyser ça de manière tout à fait logique et rationnelle. Allez, avec l'archange Gabriel, quelle est la parole de l'oracle? On a motivation. Bon, ben, restez motivé, enthousiaste, concentrez-vous sur votre projet, sur ce que vous avez à faire. Il n'y a pas lieu de se limiter et de s'inquiéter. Allez, pour les Vierges, septembre 2022, au niveau pro, quelle est l'évolution? Alors, sachez que j'organise un jeu concours pour gagner un tirage personnalisé. Pour y participer, vous commentez cette vidéo, vous indiquez que vous participez, que vous êtes abonné ou que vous venez de vous abonner. Si vous faites la même chose sur Instagram et Facebook, en invitant des personnes à aimer ces deux comptes, eh bien, vous aurez plus de chances de remporter ce tirage. Donc, n'hésitez pas, je compte sur vous. Voilà, pour la chance sera certainement de votre côté. Alors, on y va avec l'archange Gabriel. Faites partager votre art. Donc, je pense qu'il va falloir vous faire connaître davantage des autres. Sur le partage, c'est aussi, voyez, dans l'idée d'être généreux, d'être plus visible et d'accueillir justement ceux qui font la même chose que vous et qui sont intéressés par ce que vous faites. D'accord ? Pratique quotidienne. Bon, pratique quotidienne, vous allez certainement, par rapport à cette opportunité, avoir à pratiquer de nouvelles compétences, développer de nouvelles compétences. Donc, plus vous allez faire, plus vous vous sentirez à l'aise et confiant. Il ne faut pas hésiter voilà, à faire, refaire, recommencer. Recommencer, etc. Voyez, sur la naissance, on voit que cette opportunité nouvelle, elle donne vie à un nouveau projet. Lequel projet pour lequel vous êtes tout à fait capable et compétent. Il faut juste un peu vous faire à la façon de faire. Voyez, vous entraînez un petit peu, mais vous avez tout à fait les capacités. C'est simplement que vous ne l'avez peut-être jamais testé ou éprouvé. Nourrissez-vous. Alors, nourrissez-vous, ça veut dire qu'il va falloir passer du temps aussi pour vous.
pour vous recueillir, pour peut-être faire de la méditation. Nourrissez-vous, c'est tout ce qui est en rapport avec le bien-être intérieur, ce que vous pouvez faire pour votre corps, pour votre esprit, et qui feront que votre travail n'en sera que meilleur. S'il y a un déséquilibre mental, psychologique ou physique, eh bien, votre travail ne sera pas de bonne qualité. Donc, voyez, il ne faut pas que vous soyez la variable d'ajustement. Moi, on verra plus tard. Non, c'est vous, votre bien-être d'abord, pour que votre travail aussi soit de très bonne qualité. Demandez ce que vous voulez. Moi, je crois qu'il faut être honnête envers vous-même et reconnaître les capacités, les compétences que vous avez et que vous pouvez justement exploiter là dans le cadre d'un projet nouveau ou d'une proposition nouvelle qui vous est faite. Allez, je continue avec le tarot italien pour vous, les Vierges, en septembre 2022. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il pourrait y avoir une proposition et vous pourriez vous sentir, ne pas vous en sentir les capacités, les compétences. Du coup, dans pratique quotidienne, il y a une période d'essai qui est proposée et que vous allez faire honorer avec succès. Donc, pas d'inquiétude. Ne vous limitez pas, ne vous croyez pas, ne vous sentez pas incapable. Vous allez voir que ça va venir très vite. Vous allez très vite vous faire à tout ça. Et en plus, vous savez déjà faire un certain nombre de choses, des qualités, des compétences que vous pourriez réexploiter, réinvestir. Donc, il n'y a pas tout à apprendre non plus. Allez, pour les Vierges, quelle est la parole de l'oracle en septembre 2022 au niveau professionnel? On a le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, vous voyez, on est ici sur quelque chose de très positif. On se réjouit de ce qui se passe. Il y a une collaboration efficace, fructueuse, agréable. Donc, une bonne communication, un esprit d'équipe. Il est question également de promotion, de gains financiers. Vous voyez, les tensions là sont derrière vous. On est davantage dans l'apaisement et on va pouvoir partager ses ressources ou ses expériences. En fait, vous n'êtes pas forcément dans cette proposition en situation de novice et d'apprentissage. Vous aussi, vous avez déjà une expérience et vous aurez à donner, à partager votre savoir. C'est pour ça que faites partager votre art. Voyez, vous n'êtes pas que dans la réception de quelque chose, vous êtes dans l'échange. Mais vous, vous auriez tendance à croire que vous n'êtes pas forcément à la hauteur, capable, etc. Allez, pour les Vierges, septembre 2022, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, première carte, ben, la carte de l'étoile, hein. L'étoile, c'est la prospérité, le fait de se sentir vraiment et enfin, je dirais peut-être même pour vous, à sa place. Avec l'étoile, ça veut dire que les choix que l'on a faits sont les bons choix. On trouve sa voie, on se sent à sa place et même on peut revenir aux sources, à sa source. Ce retour aux sources, c'est peut-être à ce que vous aviez toujours voulu faire et que vous n'avez pas pu exploiter jusque-là. En tout cas, les relations professionnelles sont au beau fixe. Il y a un bien-être au travail, on échange des idées. Il y a un projet nouveau qui se développe et qui croît, hein, c'est vraiment la carte de la naissance ici. Et on va pouvoir se projeter à partir de là sur du long terme. Voyez, on achève un cycle un peu compliqué, fastidieux, où on en a un peu bavé, là sur le 10 de bâton. Cette opportunité, est libératrice et vous permet de franchir un pas important. Donc là, ça devient un peu plus cadré, sérieux avec l'empereur. On bricole plus là, on fait vraiment quelque chose. Voyez, de professionnel. Voilà. Sur la carte de la papesse, on est peut-être encore en situation d'apprentissage, hein, de formation. Ceux qui sont en période d'essai, peut-être auront aussi une période de formation. On a besoin d'engranger quelque part des connaissances, mais aussi, la papesse nous connecte davantage à la spiritualité. Donc, ceux qui sont dans ce domaine-là, ça pourrait vouloir dire que le monde spirituel, ésotérique, etc., va être mis sur le devant de la scène.
ou au grand jour. Vous voyez, il y a beaucoup d'intuition, de transmission. On peut travailler sur l'introspection, le développement personnel. Ça peut être de cet ordre-là. Roi de coupe et 5 de bâton. Alors, le roi de coupe ici signifie, surnourrissez-vous avec la carte des responsabilités, va signifier que vous êtes tout à fait, voyez, dans l'empathie. Le roi, il compatit, il comprend, enfin, il donne des conseils sages et bienveillants, des paroles réconfortantes. Donc, vous allez voir que vous avez cette capacité, cette aptitude à aider les autres si vous êtes dans le travail qui a un rapport avec l'humain, en tout cas. Enfin, voyez, la compréhension de l'autre, un peu la psychologie ou l'aide d'une manière générale, vous faites preuve de générosité, de bonté, de cœur, et ça va être très estimé, très apprécié. C'est peut-être un environnement avec le 5 de bâton qui est assez concurrentiel. Donc, c'est aussi pour ça que vous vous dites.